Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'attarder sur de la figurine. Et quelle figurine les amis, la Super Master Star Piece de Vegeta. Cette fois-ci, je vous déballe un troisième modèle qui est, hop là, comme vous pouvez voir ici, la 02 originale. Rapidement, la boîte, hop là, c'est Vegeta exhibé dans tous les sens. Une boîte blanche, grise, vraiment sympathique, avec ici les quatre modèles. Vraiment mortel. Dans tous les cas, sachez que c'est sorti le 29 avril 2017 au Japon, du moins dans les Game Center, organisé par Banpresto, Ichibankoji, loterie, tout ça. Prix du ticket de la loterie, 5000 yens. Comme d'hab, on achète un ticket, mais on ne sait pas sur quelle figurine on va tomber. Écoutez, voilà, tout est dit. Maintenant, on décortique la boîte et on découvre la figurine ensemble. Dedans, le fameux plastique ultra rigide, protégeant comme il se doit ce modèle-là. Cette figurine du jour, comme d'habitude, votre petit support ici pour faire tenir la figurine. Hop là, ça c'est dit, ça c'est fait. Et oh là là, j'adore. Donc la originale, en fait, elle a une petite particularité, c'est que les couleurs sont neutres et basiques, dans le sens où il y a un seul ton et puis c'est tout. Donc après, c'est par rapport à la lumière, voilà, vous jouez un peu sur la lumière selon votre exposition dans votre vitrine et compagnie pour jouer un peu sur les tonalités et les couleurs. Néanmoins, voici un Vegeta avec un rendu vraiment sympathique, vraiment léger. Donc ici, vous avez des cheveux jaunes, un jaune très clair, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Donc si vous avez déjà vu ou acheté la Goku, c'est exactement la même chose. Les cheveux sont pâles, très pâles. Ici, vous avez une tenue bleu foncé sans réellement avoir un contraste à part. Regardez, sous la lumière, on dirait qu'il y a des couleurs un peu différentes. Regardez ici, vous avez l'impression de voir du noir. Là aussi également, mais en fait non. C'est vraiment simple, hein, c'est neutre, basique. L'arrière, même chose. Que ce soit également voilà, au niveau des bottes, hein. Les bottes, hop là, ici c'est du blanc, du gris, du blanc, du bleu, bleu, blanc, rouge, non pas de rouge. Voilà, donc en gros ici vous avez, hop là, une couleur peau simple. Ce qui est plutôt sympathique, c'est que avec ce genre de rendu, on peut voir, vraiment voir les quoique même avec les autres modèles, un peu moins avec la Two Dimensions, mais on peut voir les égratignures. Voilà, ça se voit bien, je sais pas si on voit la caméra, mais dans l'ensemble c'est vraiment super. Bah, j'ai pas capté, mais regardez moi ces muscles, quoi. Il a des veines sur les côtés. Non, quoique non, je sais pas. En fait, il a une armure, il a une tenue tellement moulante, quoi, que ses muscles ressortent, mais parfaitement. C'est juste complètement fou. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste un excellent produit, surtout pour le prix du ticket. Encore une fois, j'ai peur de... Je ne connais pas les tarifs en rayon encore, hein. Donc j'irai voir ça plus tard. Donc voilà, c'est vraiment super, vraiment sympathique. Pareil, écoutez, je vous la conseille si vous adorez sous cette, le Vegeta sous ce ton-là. Vous pouvez voir, comme les autres figurines, pour moi, aucun problème défaut technique, aucun problème de défaut au niveau du pied. Elle tient debout toute seule, sans support, donc c'est un bon point de ce côté-ci. Bref, vous le savez, c'est un produit de fou. Voilà, c'est un produit complètement fou. Je croise les doigts, franchement. Je sais qu'ils nous sucent notre porte-monnaie avec ce type de figurine, surtout ce qu'est loterie et compagnie, mais je croise les doigts en espérant voir un jour d'autres personnages. Pas forcément du Vegeta, pas forcément du Goku, mais pourquoi pas, je sais pas, un Piccolo, quoi. Un Piccolo sous cette gamme-là, mais pff, ça peut être juste fantastique. Écoutez, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, à ajouter. Vous avez toutes les informations qu'il faut, vous avez... voilà... Les Vegeta sous les yeux, attendez, est-ce que je les ai sous la main? Voilà, il y a la Two Dimensions, la The Tone, ça sera pour un prochain épisode, car je n'ai pas encore pu choper le modèle, mais si je la trouve, écoutez, je ne vais pas me priver, je vais l'acheter et vous en faire le déballage, la décortiquer, on va la décortiquer ensemble, voilà, dans tous les cas, voilà, regardez, imaginez, 3-4 figurines exposées comme ça dans une vitrine ou en haut d'une étagère, c'est juste complètement fou, c'est beau, rien que pour le plaisir des yeux, c'est magnifique.
Bref, vous avez là les Super Master Star Spice de Vegeta. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.